Famille, salam alaikum, c'est Nasanta Benito, Benito de Masanta. Voilà, je voudrais passer ce petit message-là, Inch'Allah, vous allez le partager, s'il vous plaît. Voilà, vous allez le partager avec le plus grand plaisir. Voilà. Je voudrais tout d'abord... je suis venu récupérer ma voiture, là où je l'ai parquée. Voilà. Donc, partagez, mettez assez de cœur. Voilà. Capi, comment vas-tu, Lucène Chérif? Voilà. Maman des filles, comment vas-tu? Georgita, Mariam Bouddha. OK. Partagez. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Beaucoup m'ont écrit, m'ont envoyé. Bon, heureusement, m'envoie le scoop du discours de Doumbia. Je ne reviendrai pas sur ça parce que j'étais avec un communicant bonarien ivoirien qui vit en France, qui est contre Alassane Ouattara. Vous savez, eux là, ils aiment les discours comme ça. Parce qu'au fond, ils ne connaissent pas ce qui se... Ou bien, ils font semblant de ne pas savoir ce qui se passe en Guinée. Voilà. Moi, je l'ai juste envoyé les photos, les images et tout ce qui se passe en Guinée. Je l'ai envoyé, j'ai envoyé à ces petits communicants ivoiriens qui supporte Guillaume Soro, voilà, parce qu'il a des dents contre Alassane Ouattara. Il est en train de parler du discours de Doumbouya. Je l'ai juste envoyé les photos, merci à tout le monde, les photos des victimes. Au-delà des photos des victimes, je l'ai juste envoyé encore. Je l'ai envoyé la liste des étudiants qui ne sont pas jusque-là payés. Je l'ai envoyé, c'est-à-dire je me suis battu. Je suis assis dans le parking, là où je suis comme ça, là où je suis venu chercher ma voiture. Et dans le parking, en train de happer tout ce qui est information là pour l'envoyer, pour qu'il rafraîchisse sa mémoire. Pour lui dire que c'est que du discours. D'abord, il n'a qu'à écouter le fond et la forme du discours. C'est honteux pour la Guinée. Écoutez le monsieur qui est en train d'apprendre à gesticuler pour faire un discours. Bon, c'est pas l'objet de mon direct. Bonsoir à tout le monde. Madame Dantila, comment vas-tu? Folie Albert à la partager. Je voudrais dire merci à toutes les forces vives. Je dis bien, toutes les forces vives. Donc, attendez. Je vais commencer par le dernier point. Il y a eu un petit arrangement pour que Doumbouya et toute sa bande prient demain dans la mosquée que vous connaissez. Je vais tout de suite être vulgaire et insolent par rapport à ça. Je vais être très clair. Demain, vendredi, par la complicité de Gawal et ses parents de Gawal, de la préfecture de Gawal, et quelques acolytes, quelques bonarés de Vauriens, veulent coûte que coûte aller prier dans cette mosquée. Vous avez pris le nom d'Allah, vous avez mis dans votre bouche. Vous savez ce qui me plaît, c'est Dieu, le Tout-Puissant Allah. C'est que Dieu, au fond de son cœur, connaît tous les voyous, tous les bandits. Merci, frère Bachir. Le Tout-Puissant Allah connaît tous les voyous, tous les bandits. Mais en ce qui concerne Doumbouya, on a la bienfille Allah. Attendez. Voilà. Nem, moi je te connais. Voilà, comme tu n'es pas important, je te mets de côté. On a la bienfille Allah. C'est-à-dire comme Dieu le Kosoud Allah. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas que la mosquée, c'est la maison de Dieu. Mais on y termine. Donc, associe Guinéen et un comportement, vous savez très bien ce que vous avez reçu. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Mais je suis en train de responsabiliser ceux qui sont à la base de la venue de ces bandits-là dans la mosquée, une mosquée propre. Une mosquée digne.
Aradjulnab. Il est parti à Bambeto à Kosa. Vous avez vu, lorsque il a commencé ses mauvais comportements, est-ce qu'il est reparti prier là-bas? Non. Bandi yagal, que politique yagal, que... Écoutez-moi très bien. Vous l'avez entendu que la famine et quoi là ont envahi l'Afrique, je ne sais pas. Il parle de famine. Vous êtes en Guinée. Vous vivez en Guinée. Lui, il parle de famine au sommet. On a... Est-ce combien de plats un Guinéen mange aujourd'hui par jour? Vous savez, son discours là ne m'intéresse pas. Parce qu'il est en train de se contredire lui-même. Il est en train de se contredire lui-même. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire, c'est le contraire qui se passe en Guinée. Ils viennent d'abattre combien de personnes, blessés combien de personnes à Bofa. Quand un individu dit, celui qui se dit qu'il est venu pour refonder un pays, que qu'on ne doit pas se contenter de condamner un coup d'État, on doit quitter dans la catégorisation, être catégorique. Hey. Petit, tu n'as rien pour... Tout ça là, c'est le peuple qui m'énerve dans ça. Nous savons ceux qui se sont bien arrangés pour que tu sois devant l'ONU comme ça. On sait. Ils l'ont fait pour avoir nos mines. Tout ce qui s'est passé là, c'est pour avoir nos mines. Que Moussa Moïse, qui était incapable aujourd'hui, Moussa Moïse, tu as vu notre force. Moussa Moïse, tu as vu la capacité, tu as vu la puissance de Benito, de Damaro, de Matou. Tu as vu notre puissance? Tu as vu notre puissance? Tu as vu la puissance? Je remercie toutes les forces vives. Aujourd'hui, on était là. Le groupe était là. Ils étaient en haut là-bas. 110 000 dollars. 110 000 dollars. Je dis 110 000 dollars pour ces petites... Regardez le nombre de personnes. Regardez tout ce qui... Regardez le petit groupe qui était là. Qu'on vous dit que les gens là sont venus avec... C'est-à-dire les gens là ont été déplacés pour 110 000 dollars. 110 000 dollars, c'est le budget Bintaba. Comment vas-tu, cousine? 110 000 dollars. 110 000 dollars, j'ai dit, c'est trois fois le budget de toutes les petites et moyennes entreprises féminines de la Guinée. Toutes les femmes guinéennes, là, les commerçantes, les malheureuses et autres, là, wallah, billah, vous mettez dans les banques les 110 000 dollars là. Les femmes là peuvent faire le commerce, peuvent travailler avec ce montant-là. Vous remettez à des vauriens, regardez-les. Regardez ce petit nombre. C'est à cause de ça que j'ai filmé les derrière de beaucoup de personnes. Regardez, des femmes même qui n'osent même pas porter pantalon. Je dis, regardez comment. Tout est ramassé en un point. Tellement qu'on était puissants, ils étaient obligés de quitter là-bas pour partir quelque part là-bas. Parce qu'il était prévu. Il était prévu que Doumbia passe pour saluer. Tu as vu Moussa Moïse, tu as vu la puissance. Tu as vu notre puissance. Tu as vu la puissance des forces vives. Doumbia devait sortir pour venir saluer. Ce qui est arrivé à Macky Sall a servi beaucoup d'exemples. Et puis ce qui est honteux, dès qu'il a fini le discours, on l'a dit de sortir de l'autre côté pour partir. Parce qu'en face, l'ONU de l'autre côté là-bas s'est fermée. Jusqu'à 1 km, c'est fermé. 41e, 42e, 43e, 45e, 46e rue. Les rues là sont fermées. C'est la 47e rue là qui était. Ça aussi, on a permis d'ouvrir là-bas pour que les gens puissent. Parce que tous les drapeaux étaient là. C'est là-bas que les gens ont pu manifester. Donc, ils étaient juste ici là. Ils étaient là. Kodumbuya, Kwayamado. Parce qu'on était en bas devant l'ONU. Maintenant, on leur dit de monter, d'aller de l'autre côté là-bas, que Doumbia Kankana Kafolike. Doumbia devait venir les saluer. Mais vous avez vu, on était là, côté droit. Vous avez vu, la presse internationale s'est intéressée à nous. C'est lorsqu'ils m'ont vu là, ils ont organisé la petite danse là, que vous avez vu, la tam-tam. Les gens qui avaient le tam-tam là, on les a déplacés avec combien? Avec 300 dollars. Ils ont tapé Djimbé là à cause de 300 dollars. Et puis, tellement qu'ils ont fait, ils sont allés dans un petit restaurant à côté de la sandwich, ils ont mis dans pain, en train de manger. D'autres avaient ça dans leur sac. 100 dollars. T'as dit, oui, c'est vrai. Ils ont mis ça dans leur sac, ils ont mis quelque part, en train de manger. Non. Nous sommes, vous avez vu quelque part, la dame est en train de oh, elle est cassée à l'angle, en train de couper le pain comme ça. En train de faire la guerre avec le pain. Non, oui. Aïba Ourdine Namina.
Et ce qui m'a plu dans tout ça, là, il y a une dame qui a remis sa tête comme ça. Elle a la tenue, elle a le t-shirt de Mali Doumbouya. Elle a remis la tête comme ça, là. C'était un échec. Les t-shirts étaient dans des cartons là-bas. Personne n'a pris. Regardez le nombre de. Ils ont demandé aux gens de prendre les. Les gens n'ont pas pris. Il y avait le reste des t-shirts. Quand je suis arrivé, on dit, Inda, regarde, Brisa Mafremba. J'étais avec Condé. Il y avait un t-shirt de carton qu'on a dit. Il y avait beaucoup de. Il y avait plus de 4 cartons. Plein de t-shirts. Personne n'a pris. Merci aux forces vives. Allah Konoko, vous savez, quand ceux qui sont en Europe là aiment toujours dire que ceux qui sont aux États-Unis sont ceci là, ils manifestent pas, ils font pas comme ça. Là-bas, là, aujourd'hui, il n'y avait pas RPG, il n'y avait pas IFDG, il n'y avait pas, IFR, hein. C'était les forces vives. Toute la Guinée était là, représentée puis unie. Merci, Doukle Plecker. Partagez la vidéo. Donc, famille, demain à la mosquée, rendez-vous devant la mosquée demain. Rendez-vous devant la mosquée, demain. N'oubliez pas, hein. Je dors aujourd'hui à New York. Je dors ici demain matin pour ne pas faire de va-et-vient. Pour éviter de faire. Parce que une semaine comme ça, j'ai fait les va-et-vient, Mais je préfère dormir ici aujourd'hui. Voilà. Donc, merci. Je préfère dormir aujourd'hui. Et ce qui me fait, ce qui me plaît là, je suis invité par des frères sénégalais. Merci beaucoup. Nangadef, Nanangé. Donc, il faut dire merci à tes. Nangadef, Nanangé. Les Sénégalais, il y a deux frères sénégalais. J'étais avec Reflet Guinée. Ils ont attendu que je finisse. Déjà, les frères là me suivent sur les réseaux sociaux. Quand j'ai fini, il y a un frère qui a pris mon numéro. Il dit, on t'invite Benito. Je suis allé avec les frères sénégalais là. Vraiment, j'étais là. Voilà des gens qui sont très bien, intelligents. Nous avons bien débattu là-bas et puis on a mangé. Voilà, on a mangé. Donc, demain, il y a un qui m'a promis d'être à la mosquée. Parce qu'il n'est pas loin de la mosquée, là. Voilà, il n'est pas loin de la mosquée. Voilà. Ah, ouais, sorry. voilà un qui souffre ici, là, et là. Ouais, Derren Jeff. Non, aujourd'hui, écoutez. Oumou. Voilà. Merci, Diallo, merci. Oumoundoy, je vais te dire, et puis, voilà. Oumoundoy, j'ai une femme, hein. J'ai une femme sénégalaise, je te dis ça. J'ai une femme sénégalaise, voilà. Vraiment, une très belle femme sénégalaise qui me suit chaque fois, là. Voilà, mais je comprends. Il dit, tu as fait plus de 4 ans chez nous, là, Benito, tu ne parles pas Olof. Il dit, mais je n'ai pas de femme Olof, comment je vais parler Olof? Vraiment, j'étais content, c'était la famille. Voilà, c'était la famille, il y avait ils étaient de l'autre côté là-bas, ils ont fait un très bon boulot la dernière fois, voilà, mais j'étais obligé de venir, venir avec nous, et puis travailler avec nous, j'étais très content. Donc, n'oubliez pas demain devant la mosquée, voilà, vous avez l'adresse, voilà, donc ok, vous avez l'adresse de la mosquée, vous connaissez l'adresse, n'oubliez pas, hein. Et je le répète encore une fois, enlevez-nous dans l'affaire de religion, dans l'affaire de Dieu. Je le dis, hein. Enlevez-nous dans l'affaire de Dieu. La mosquée, c'est la maison de Dieu. Enlevez-nous dans. Le problème, c'est qu'ils vont prier là-bas. Là. Ils ne sont pas venus pour l'amour. Hein. Ils ne sont pas venus parce qu'ils nous aiment. Ce n'est pas ça. Mingala, Dougoulaga, je ne suis pas dedans. J'ai dit à beaucoup. J'ai dit ça aujourd'hui. Vous m'enlevez dedans, parce que demain, moi, je vais pagailler là-bas. Demain, je vais pagailler là-bas. C'est les 166, voilà, 166, n'oubliez pas. Voilà. Je vais pagailler là-bas. Écoutez-moi, que quelqu'un me dit là-bas, Benito Ari a pagaillé que Julie Damena, Ming, je vais être très clair. Django, non, Benito, non, pagaillé, ça l'a déjà dit. Hé, écoute, je connais mes droits aux États-Unis. Vous avez vu aujourd'hui, heureusement, j'avais filmé l'acte de la jeune dame là. Qui a jeté la brochette sur le visage de notre frère. Vous avez vu comment elle était blessée ici? C'est nous qui avons géré ce dossier-là. Et ils ont pris la dame, ils l'ont menottée. Ils l'ont menottée, oui, le jeune était arrêté à côté de nous. Et pourtant, elle est passée à nous provoquer. Comme ils ont honte là, vous avez bouffé l'argent des gens, vous avez honte. On vous demande de faire assez de bruit. De faire assez de bruit. Attendez, je vais enlever les petits et les pharaons. On vous demande de faire assez de bruit, vous ne le faites pas, et puis elle vient nous provoquer. Hi, Bigoda.
eux, ils viennent nous provoquer. Et la dame là, là où je vous parle comme ça, là, on l'a envoyé, tout le monde l'a vu menotter. On l'a menotté, elle est partie. Brochette comme ça, elle prend, il y avait un morceau ici là, elle prend ça et jette dans l'autre, sur les gens. Ça blesse un peu, ça peut presser l'air du jeune. C'est ici, ici là, ça perce le jeune là ici. Et là où il est comme ça là, il va regretter. Il y a certains même qui nous disent là-bas là, qu'elle n'a pas de papier. Tu vois là, papier quoi, dit Macron, on s'en fout de ça. Non. Quand je vois une dame là, une vorée venir dire que Akadjo Madimi, Akadjo Akamon Madimi, il a fait Kaoui, il a eu là-bas. C'est là-bas. Oui, mais maï, quoi, allez, preuve vous dira. Tu as vu comment on a trouvé la preuve? Moi, j'ai filmé, les gens filmaient. Hein? Tout le monde filmait, mais moi, j'ai filmé la partie dedans. Poup! Quand le policier est venu voir à l'intérieur de la vidéo là, qu'est-ce qu'il a fait? Sinon, au départ, on ne voulait pas le menotter. Hein. C'est ça même, Madame Bassa, ils ont dit que c'est pour tout le monde. C'est ça, hein. Nous irons prier tous là-bas demain, c'est ça. Oh, attendez, je suis en train de t'aider. Moi, je vous aide. Donc, allez-y sur la page de... Sur la page de Vaurien Fadiga. Fadiga a partagé la vidéo où la fille est menottée. Allez-y voir. Allez-y voir. On l'a menottée comme ça là et puis elle est partie. C'est fini. Elle est partie. Ceux qui sont abonnés sur la page de Fadiga. Fadiga, le Devey Guinée. Allez-y voir. On l'a menottée et puis partie. Non, on s'en fout de ça. Personne n'a pitié. On nous dit là-bas là qu'elle n'a pas de papier. Qu'elle soit rapatriée, ce n'est pas notre problème. Vous comprenez? Ahmed Kabat, comme si tu es aux États-Unis, là, il faut venir. Il va au ligne, il est au la mosquée, là, tu vas comprendre. Mais on ne touche pas à quelqu'un. On ne touche pas à quelqu'un. Quand j'ai entendu des gens dire là-bas, là, non, non, on ne manifeste pas, on ne jette pas tomates et œufs, là. Quand j'ai parlé de tomates et œufs, là, on pensait que nous sommes des souris, nos esprits, là, sont dans des sacs. Nous, on ne manifeste pas, on ne jette pas tomates et œufs, n'importe quoi. Et bah, ça dit, Doumbia, là où il est, Doumbia est comme ça, là. Doumbia a envie de mettre beaucoup de personnes en prison. Lui-même, il est dessus. Doumbia en personne, là, il est dessus. Voilà. Il est dessus. Doumbia en personne, dessus. Il y a un coursier qui est là-bas, Mohamed Kaba. Il va où il dit non. Il va traduire. Il va où dans la mosquée, là. Il va où il pourquoi aujourd'hui, si tu es aux États-Unis, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi vous avez fui? Batradé. En Clédolou. Nyamala de Nounou, grand. La sœur Abi, bonsoir, ma sœur chérie. Donc, on oublie. Les responsables de la mosquée ont dit que la mosquée est pour tout le monde. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Donc, demain, il n'y a pas de président transition. Il n'y a pas de quoi là-bas. Et puis, je voudrais dire ça là. Vous, les petits supporters du CNRD, entre Dieu, vous gênez-vous. Demandez à Doumbia, devant son nom là, il a signé quoi à la rentrée de l'ONU? Macky Sall a signé devant son nom, président de la République. Le président Georges Weah a signé devant son nom, président de la République. Le président Mbalou a signé devant son nom, le président. Demandez à Doumbouya, demandez à ceux qui ont vu le cahier, la rentrée, parce qu'on signe avant de rentrer. Le premier jour, on signe. Demandez à Doumbouya, c'est devant quoi ils ont signé. C'est à quoi ça, je vous dis. Même si vous passez 1000 ans au niveau de la RTG à dire qu'il est président de la République, là. L'essentiel là, les documents officiels là, c'est écrit le chef de la junte. On pourrait dire président de la transition, mais allez-y voir le document. J'aimais quiconque à défi. C'est une sœur qui travaille là-bas, là, qui m'a envoyé, elle est gambienne. Elle est gambienne, c'est elle qui m'a envoyé la photo de la page. Mais comme il y a le nom de certains présents en haut là, je vais pas montrer, je vais envoyer à certaines personnes pour des preuves. Et voilà. Pour des preuves, c'est écrit là-bas, c'est écrit chef de la junte, président de la transition. C'est devant là-bas, il a signé. J'en suis sûr, quand Doumbouya a vu ça là, il n'était pas content. Petit, Aïkonoko, ce sont tes petits supporters là qui t'appellent président de la République. Mais en réalité là, tu es chef de la junte. Tu connais ça? Chef de la junte. Tu es chef de la junte. Est-ce que tu connais ça? Ah, ok. Ok, Barry, c'est compris.
J'ai compris, Marie. Merci. Vous avez compris? Vous, les petits supporters, là, vous qui rêvez, là, qu'au président de la République, chef de l'État, chef, il a signé devant son nom. C'est écrit. D'abord, chef de la junte. C'est écrit, chef de la junte. Et puis, ce qui est marrant, vous savez, quand ils mettent chef de la junte, c'est plusieurs, chef de la junte, c'est en anglais, et en français et en espagnol. Voilà, c'est comme ça. Français, anglais, espagnol, arabe. C'est comme ça, là. Après, maintenant, on met ton nom, tu signes. Et puis, c'est écrit Mamadi Doumbouya. Ils ont omis d'écrire colonel. Ils ont mis Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Maintenant, c'est là-bas, il a signé. Et puis, quelle signature? Et puis, deuxième humiliation. Nous attendons d'écouter les journalistes qui vont interpréter. Voilà, qui vont interpréter ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas nous qui avons vu ce qui était là. Vous avez vu comment était la salle. Moi, je l'avais dit. Vous vous rappelez? Ma vidéo d'avant-hier, là. Je vous ai dit ça. J'ai dit, on va se dire la vérité. Si on a la chance de voir la salle, à l'intérieur de la salle, là, vous allez dire la vérité. Vous avez vu la salle, non? Tout ce que vous voyez comme ça, là. Tout ce qui reste dans la salle, là. Ce qui reste, ce qui était dans la salle, là. Ce sont les presses étrangères, les porte-parole, les représentants des organisations non gouvernementales qui étaient dans la salle. Regardez, amusez-vous à faire jouer les images là, faites comme ça, écartez les images là, faites jouer, regardez les badges. Regardez les badges. Et vous avez vu, il est comme président de la République, quand il est venu représenter la Guinée, qu'il est venu donner une image, qu'il va rencontrer le chef d'entreprise et quoi, je ne sais pas. On m'a appelé de Conakry. On m'a appelé de Conakry pour me dire qu'il y a certaines personnes qui ont demandé à certaines personnes d'aller à l'aéroport. Brigitte, merci beaucoup. Je t'avais appelé pour te dire merci. Vraiment. Ma main sur ma poitrine pour te tirer le chapeau, ma sœur chérie. Vraiment, je suis reconnaissant envers toi pour tes conseils. Vraiment, Brigitte, merci beaucoup. On est ensemble. Ma main sur mon cœur. Merci. J'ai sorti la voiture du parking en bas. Directement, il y a un ami qui m'a appelé. Il dit, ah, bravo, moi, le Kokawa aéroport, là. Il se peut qu'il quitte même aujourd'hui les États-Unis pour partir. Parce que c'est ce qu'on m'a dit. Quoi, bravo, moi, le Kokawa aéroport, là. Parce que ce qui s'est passé là, c'est ce que j'ai dit. Doumbouya, consciencieusement, ce qu'il a vu là, Abake Mohan Klimado dit, tous ceux qui sont autour de lui, Mbadou Lagna et Bébé Kassola, je les mets en prison. Ils m'ont menti, ils m'ont trahi. Parce que d'abord, on l'a dit, non, après le discours, il faut venir saluer les Guinéens. Parce que c'est ça. Quand les shérifs Mohamed et les Bilo et Fatmata Doumbouya et Nadouba SK Konate, je ferai un direct sur vous demain, Inch'Allah. N'taïra Tifeo, Fatmata Doumbouya, Nadouba, SK, Konate, vous êtes les sœurs de Doumbouya. Moi, le formule, quand vous êtes les sœurs de Doumbouya, mais demain, là, ça va chauffer. Nadouba, toi, tu m'as insulté. Nadouba, SK, tu m'as insulté. Je t'ai envoyé une photo là. Tu as prêté des excuses là. Je t'ai envoyé une photo avec ta petite taille, avec ton vilain visage là. Et il y a maintenant Samana Rodu. Et il y en a qu'on l'a samanté au mal au bas. Il a essayé. Fatmata Doumbouya, la grande dame, j'ai sa photo ici là. Elle dit à New York là que Doumbouya c'est son petit frère. Doumbouya, elle donne, me dit, Hali, Doumbouya est ton petit frère qui est dans un appartement à New York, n'importe quoi. Voilà des gens qui influencent que Doumbouya est mon petit frère. Et pourtant, il y a appartement là. Tu es dans un appartement à New York. Tu paies le même prix que les autres Guinéens. Et puis d'ailleurs, qui paie? C'est pas, tu as une passoire, c'est pas les gens qui paient la maison là pour toi. Et puis, on dit que tu es célibataire. Et Fatmata Doumbouya a libité. Et avec ton âge là, 49 ans, il marie un thé, il fourrunte au labontico. Et 49 ans, américain, tu as fait plus de 20 ans, qu'est-ce que tu fais? Quand vous voyez des personnes, quand il faut les éviter, c'est le sac à problème. Mais, Doumbouya, je sais, l'acte qui s'est passé aujourd'hui-là, à Bate, il a fait malgré il a fait son discours, mais la façon dont il est sorti de la salle-là, il a pris la petite porte pour sortir, parce que les autres la passent devant nous.
Vous comprenez? Petit Ali Souma, bye bye. Donc, famille, encore une fois, je remercie les forces vives. Merci aux forces vives. Je vous dis merci. Mais demain, comme ça, priez, merci. N'oubliez pas le reste du programme, c'est demain à la mosquée. N'oubliez pas. Demain à la mosquée. Demain à la mosquée. Et de mon frère, tu m'as vu aujourd'hui là, et qu'il y a l'on m'a fié. Tu as vu derrière ma voiture, non? Tu as vu ça, non? Tu as vu ce là, tu as vu des écrit Benito du Prac. Voilà. Tu as vu Doncas premier en bas. Doncas premier. Tu as vu, non? Voilà. Est-ce que tu as vu, mon frère, parce que tu es là, je t'ai vu. Tu m'as vu, il dit, ah, Benito, le voilà, tiens. Tu as compris, non? Voilà. Algasum Diallo, comment vas-tu, mon frère? Donc, portez-vous très bien. Merci encore une fois. N'oubliez pas à la mosquée demain. Comme les autorités de la mosquée ont dit que la mosquée, c'est pour tout le monde. Comme la mosquée est pour tout le monde, nous allons prier. Là-bas, là, il n'y a pas de service de sécurité. Personne n'est président de la mosquée. Il y a un qui a dit là-bas, là, il dit, il n'y a pas de problème. Le seul lando dans la mosquée, c'est l'imam. Voilà, lando à la mosquée. Lando en mosquée, imam, nous avons dit, nous avons l'ani. Il n'y a pas de détails. Personne n'est président des Guinéens des États-Unis. Personne. Mon frère Demba Cissé, secrétaire quoi de Guinée là, mon frère, le double jeu dans lequel tu es là. Moi, je dirais, je ne vais même pas appeler ton patron pour te parler. Vous avez joué un jeu là pour retirer l'argent à quelqu'un là. Moi, je me tais. Ibrahim, après le CNRD là, il y a beaucoup de ces personnes qui ne pourront jamais regarder d'autres personnes. Wallah, ils ne pourront jamais regarder les autres. Yeux dans les yeux. Carlos Sangare, merci mon frère. Jamais dans la vie, ils ne pourront jamais regarder les autres vis-à-vis. Bintaba cousine, merci beaucoup. Bisous à toi. Bisous à toute la famille. Merci à tout le monde. Ablaï Nabé, merci grand frère. Merci Algasim, merci mon frère. On est ensemble. Crespo, respect à toi. Merci à tout le monde. Et le principal commandement, j'ai été très clair. Mon combat là, j'ai dit mon combat dans la vie, c'est pour que tout le monde retienne. Je veux que mes vidéos soient des preuves contre certains responsables un jour. Voilà pourquoi j'ai fait les lives. Frère Diallo Mondial, merci beaucoup frère. Barion, merci frère. Toutes mes vidéos là que moi je fais là, je veux que ce soit des preuves. Que les gens gardent. Pour que le jour où on va prendre quelqu'un pour le mettre en prison, que personne ne vienne nous dire ici là que c'est un règlement de compte, que c'est un problème ethnique. Il n'y aura plus de problème ethnique dans Guinée là. Quand on te prend là, toutes les preuves sont là pour que tu ailles en prison. C'est ça. Frère Ouriba, merci beaucoup. C'est ça. En tout cas, Djabi Djabi, ils ont dit que la mosquée là, c'est pour tout le monde. Mosquée Onkofi Djama. C'est ce que vous avez dit, hein? Mosquée Onkofi Djama. Donc là-bas là, personne ne pousse pour quelqu'un. Ce que nous autres nous avons dit là, nous allons faire. Kojuli de Semari Meo qui va prendre mes rangs. Na, si l'on fait un pareil, qu'il mingo, il benye yeso, gote in motako yeso. Il n'y a pas de chef dans la mosquée. Le seul, parce que quand vous partez pour prier le vendredi là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit de pousser devant pour que ceux qui sont dehors là rentrent. C'est ce qu'on dit, hein. Donc Semari Meo qui va place, yeso, men jolo yeso. Personne ne va se lever. C'est ça, moi je suis d'accord. Vous avez corrompu, vous avez passé. Il était impératif de bloquer là. De bloquer. Donc, voilà. Comme c'est bloqué là, on dit non, la mosquée. Madame Doussou Kondet, Ibrahim Bika, je t'ai regardé face à face. Nous sommes aux États-Unis qui ont mis filmé. Parce qu'au niveau fédéral, tu peux porter plainte contre moi. Qui ont mis filmé. Mais tu m'as vu aujourd'hui, là, je t'ai regardé, j'étais avec mes enfants là, tu as vu? Imi Kounadji, Iki Kounadji, Beka Wotu, Dusu Kondé, Beka Wotu, Beka Wotu, eh, Dusu Kondé, à ton âge là, et puis il kankani dit, eh, Nema, tes bras serrés, tu étais fatigué. J'ai regardé la dame là aujourd'hui, face à face. Vous avez vu la partie là, les enfants et moi, on est en train de Dusu Kondé, zéro! Elle était face à face à moi. 3 mètres entre les moi. 3 mètres. Je pensais que tu allais répondre.
Parce que toi et moi, ce que nous avons dit au téléphone là, c'est le contraire que tu as fait. Le contraire. Je vais faire ça dans un direct. Tout ce qu'on s'est dit là, demain là, quand je vais finir avec Nadouba et Fatmata Doumbouya là, je vais te prendre du Soukondé. Demain là, je vais tout dire ce que toi et moi on s'est dit. Doumbouya, l'enveloppe que tu as reçue là, pour mettre la pression des gens sur la mosquée là. Et quand vous fournez, après le 5 septembre, tu dis que le RPG est un label. Et puis, quand Doumbouya ne va jamais s'en sortir. Et quand vous fournez, quand Doumbouya ne va même pas faire un mois, quand il est le cas, il y en a eu tout, quand il est le mot fort. Il est le brini bico. Eh non. Non, je suis dépassé. Mais Sili, viens prier à la mosquée là-bas. Voilà mon frère Moussa Kaba, Nini Alala fait frère Moussa Kaba. Moussa, mon téléphone, 5 septembre, c'était le 11 septembre. Le 11 septembre, c'était l'anniversaire des attentats aux États-Unis. On a fait plus de 30 minutes. Iba Moussa, frère Moussa Kaba, Iba Moussa, mon Kaba, même Fola. Il demande ça à Dialama. Iba Kamé, mes frères. Iba Moussa Oyeloni Bi. Quoi, les l'école n'y a fait pour soutenir Doumbouya là. Il dit, Yalona Olema, que nous sommes dans l'ethnocentrisme pur. Et nous autres là, qui sommes mandingues là, nous refusons d'accompagner ça. Nous refusons. Maintenant, Siniba, moi, Fata, tes mosquées dit. Ils ont dit à la mosquée là que tout le monde est égaux. Qu'au Bekama mosquée là. Donc, nous allons partir occuper les premières places et puis faire nos boubous comme ça là. On étale les boubous comme ça, comme le temps de l'ancien raconté. Le président de l'ancien raconté disait du moins, c'est paix à son âme. Quand certaines personnes rentrent dans la mosquée là, c'est comme si c'est, voilà, comme si c'est pour les pères, la mosquée. Le président de l'ancien raconté est arrivé à la mosquée Faisal. Quand même ici, on dit Gouba Kété, même ici, on dit Boubou Kété, l'ancien raconté, on en a fait là. Les gens sont assis comme si la mosquée appartient à leur papa. Alors demain, là, nous allons faire ça. Nous allons faire les boues comme ça, et puis on met les pagnes, et puis on fait comme ça. Mais aujourd'hui, là, le plus grand honneur revient aux forces vives. Aujourd'hui, nous avons empêché Doumbouya de venir s'allier. Ceux qui ont reçu les 100 dollars là, pour dire que nous avons fait un foyer, est-ce que vous avez fait un marqué? Donc nous avons gagné, c'est terminé. C'est terminé. La prochaine fois, le prochain sommet là, il ne viendra plus ici. Allez, moi-même, Badolo dit Doumbouya, il ne viendra pas ici, à Brabant. Portez-vous bien, on est ensemble. Demain matin, là, c'est Boubou, nous avons fait Boubou comme ça, on vient, on s'assoit. C'est le président de la compte qui l'a dit. Hein. Quand il va dans la mosquée, là, il vient occuper comme ça. Oh. Merci beaucoup, Ba, Souleymane. Donc, merci à tous, merci pour les partages. Merci pour tout. Big Brother Abou Keta, thank you so much, Big Brother. Voilà. Vraiment, merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Wallahi billahi ta'ala. Les gens étaient satisfaits des forces vives aujourd'hui. Wallahi. Nous, on était menacés. On était menacés. Matou, moi, Damaro, on était menacés. On le sait. Mais les personnes aussi qui étaient avec nous là, non. Moi, j'ai dit merci à mes quatre petits là. Merci beaucoup. Vraiment. Merci Singa. Merci. Bon, je ne dis pas vos noms. Vraiment, je vous dis merci. Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Vraiment, la belle Tanyon. La belle Tanyon. On se retrouve demain. Vraiment, vous avez joué un rôle aujourd'hui autour de moi qui était un grand rôle. Ah oui. Merci vraiment. Quand je vous ai vu là, je me suis demandé, mais après, on m'a dit non, Benito, reste tranquille. Moi-même, j'ai compris le jeu. Vous êtes les meilleurs. Voilà. Vraiment, je vous tire le chapeau. Merci beaucoup. Merci ce que vous avez fait autour de moi. Merci beaucoup. Merci. Franchement, je vous promets de passer un an, passer de maison en maison pour vous dire merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain. Bonne nuit à tout le monde. Demain matin, n'oubliez pas, Kojuma. Mokala Yetu, Gouba. Si vous avez les moyens là, combinez les deux boubous là, vous augmentez vos boubous là, s'il vous plaît. On peut, Yetu Gouba, on sait, Koroni Ferraton, Ferrando, Tokondo, et puis Ouditoni. Voilà, prolongement. Chacun n'a qu'à prolonger. Chacun n'a qu'à prolonger son boubou demain. Fanny Kamara, merci beaucoup, Fanny. Bas Souleymane, merci à tout le monde. Brigitte, vraiment merci, Brigitte, merci. Merci, franchement, merci beaucoup. Bouba Kaloga, merci frère, merci. Portez-vous très bien. Omar Ba, merci frère. Merci à tout le monde. Tous ceux qui ont été oubliés dans les propos là,
Considérez que je vous salue tous, je vous dis merci. On se reprend demain, Inch'Allah. Voilà. Peter Lassane Baonoy.